Alors, chez BMW Motorrad à Cologne, on présente plusieurs nouveautés et aussi des évolutions notables, notamment cette K1600 GT. Alors, c'est vrai que l'allure générale de la moto n'est pas vraiment nouvelle. Hein. BMW a quand même conservé à peu près le physique sportif et GT de cette impressionnante moto haut de gamme. Mais le carénage a été entièrement revu pour améliorer la protection. Il a été élargi, réétudié au niveau de la soufflerie. La bulle est toute nouvelle, toujours électrique bien sûr. Et puis les fameux déflecteurs, là regardez, hop, eh bien ils ont été complètement refaits et ils sont plus grands. Alors BMW annonce beaucoup plus de protection sur sa nouvelle K1600 GT, mais ce n'est pas tout. Le moteur a aussi évolué, même si bien sûr BMW a conservé ce 6 cylindres en ligne. Hein, c'est vraiment la marque de fabrique de ce modèle emblématique. Ils ont revu les échappements, alors n'y prêtez pas trop attention ici. Hein, en fait, c'est les échappements du catalogue, les Akrapovic. Mais la nouvelle forme des échappements est plus longue, expressément pour respecter Euro 4. Et puis, il y a aussi l'arrivée du canister. Vous savez, c'est ce petit module de charbon qui sert à recycler notamment les vapeurs d'essence qui s'échappent du réservoir. Donc ça a été retravaillé aussi. Heureusement, on a toujours la même puissance, 175 chevaux, 17,5 dk Nm de couple. Heureusement qu'il y a le régulateur de vitesse parce que ce moteur, même homologué Euro 4, va toujours envoyer sévère. Alors, autre évolution notable, ça c'est très important sur cette moto, c'est l'arrivée d'une nouvelle boîte de vitesse. En fait, la boîte de vitesse a été retravaillée avec un shifter down, up and down. Donc on passe les vitesses à la volée sans utiliser le levier d'embrayage. Ça va peut-être adoucir le passage des vitesses. Et c'est pas un moindre mal parce que c'est quand même un peu le talon d'Achille de cette moto, hein, sa boîte de vitesse. Mais aussi, ce qui est très important, c'est l'arrivée d'une aide, d'une marche arrière. En fait, au Komodo, on a un petit bouton R pour rire. On se place sur le point mort avec le moteur qui tourne. On appuie sur ce bouton. On passe du coup en marche arrière. La boîte est inversée et on peut reculer à hauteur de 1,5 km/h, nous disent chez BMW. Et on peut aussi remonter une pente jusqu'à environ 7%. Donc c'est vraiment pour se défaire d'une mauvaise situation. Et c'est super important sur cette moto qui, tout plein fait, dépasse les 340 kg si l'on se réfère à nos mesures habituelles chez Motostation. Enfin, autre point notable encore, c'est l'arrivée du système E-Call chez BMW. Donc c'est un système d'appel d'urgence qui est tout intégré ici dans ce tout petit Komodo. En fait, il y a un micro ici, on ne le voit pas, c'est tout caché. Mais on peut déclencher un appel d'urgence ici, SOS, appeler le centre d'appel d'urgence de chez BMW qui va vous relayer si jamais vous avez vu un accident, si vous avez un malaise, si vous ne vous sentez pas bien, si par exemple vous ne savez pas où trouver un médecin. Vous pouvez utiliser ce système, vous retrouver, basculer vers la hotline d'urgence BMW qui va vous aider. Voilà, donc ça c'est une exclusivité de la K1600 GT. Et en même temps, c'est important parce que ça va être étendu. On imagine que ce système va arriver très très vite sur d'autres modèles de la gamme, notamment au niveau des gammes Touring. Alors parmi toutes ces mises à jour, il y a aussi l'amélioration du confort, notamment au niveau du travail des suspensions semi-actives ESA. BMW a retravaillé le mode Road, qui est dorénavant tout automatisé pour adapter l'hydraulique des suspensions de la moto aux conditions de roulage. Alors voilà, cette reine de la route super performante sera disponible à la fin de l'année chez BMW Motorrad et son prix sera de 22 550 €. Mais c'est vrai que dans sa dotation de série, elle sera mieux équipée que les versions précédentes.